Bonjour les amis, on se retrouve pour peut-être à la fin de la mission, je pense. Alors je vais continuer. Alors je vais vous dire ce que j'ai fait. Hein, j'ai continué un petit peu à couler du béton là-bas. Et maintenant je vais devoir faire du plafond. Alors je vais vous montrer ça. Il faut que je déballe ça ici. C'est là-bas. Et voilà, donc là ça monte. Placer les composants. Alors, il faut passer les composants. Alors, je sais pas s'il faut que je. Je vais voir. On va voir. Alors, c'est ici. Il y en a 6 à mettre. Donc voilà, on va faire ça. Où est-ce que j'ai le truc? Ici. Alors. Je pense que je devrais finir le moment. Je vais essayer, on va voir. Alors ça y est, ils ont. Je sais pas si ça avait la mise à jour ou quoi. Ça y est, ils ont mis la pause café pour passer le temps. Donc je vous montrerai ça après. Puisque là, je suis. C'est 2h30, 14h30. Je vous montrerai comment on fait. Le dernier, et normalement, d'habitude, il faut mettre du. Alors, je sais pas s'il faut mettre du béton. Je sais pas s'il faut mettre ou pas. Mais normalement, on doit mettre de la verdure. Normalement. Je sais pas s'il faut la mettre avant ou après. Je sais pas. Alors, placer les composants de plafond. Éléments de plafond en béton. Ouais, non, d'accord. Donc ça s'est fait automatiquement. Ça s'est bétonné automatiquement. Donc dégager la zone. Donc il faut que j'enlève la grue. Bon, dégager la grue, la zone. Bon. Donc on va dégager la zone. C'est la retour démontée. Ok, donc voilà. Dégager la zone 1 sur 2. 1. Pourquoi? Il y avait marqué. Pourquoi 1 sur 2? Alors, parking couvert.
T'as pas terminé. D'accord. Remplir la zone avec de la terre, ouais, c'est pour ça. Il faut plus de. Il ne faut plus de. Ah, d'accord. Voilà, donc voilà, ça s'est couvert. En fait, c'est couvert automatiquement, ouais, d'accord. Ok. Alors, il faut mettre de la terre ici. Alors, pourquoi? Parce que le haut, ça va être de la. D'accord. Là, c'est fermé là-bas. Oui, parce que le haut, ça va être en fait de la végétation, hein, comme ce que je disais. C'est pour ça que c'est écologique, en fait. C'est technologique, mais écologique. Je vais aller chercher. Alors, en fait, j'ai pas besoin de ça, mais je vais ramener après. Le camion, parce qu'il me faudra du gazon après. Je vais faire avec celui-là. Ouais, je vais faire avec celui-là. Pas m'embêter. Alors, ouais, je vais faire comme ça. C'est un petit camion, mais bon, comme j'ai besoin de charger, j'ai pas envie d'aller me chercher le tombereau. Je vais faire avec. Ah oui, c'est celui-là qu'il faut mettre ici, en fait. Je pense que j'ai pas besoin, hein, je vais faire plusieurs. Je vais remplir visé automatiquement, hein, c'est pas la peine de. Comme je suis en bas, ça devrait être vite fait, je pense. Voyons, alors on va faire ça. Remplir de la terre, gravier, terre. On va faire comme ça. Le 32, ouais, je vais faire avec deux comme ça, bon, c'est pas. Cinquante-huit, cinquante-neuf, soixante. J'en suis à 63, ouais. C'est sûr qu'avec le tombereau, j'aurais fait plus vite, mais. Mais bon, ça fait rien, pas grave. C'est pas ce qu'il me reste à faire maintenant. Faut encore que j'aille chercher du gazon. Je viens avec le camion. Avec le camion de semi-remorque. Mince, il faut que j'avance quand même. Ce serait mieux. 99, parfait. D'accord. Dégagez la zone. Ouais, c'est ça. Ok. On va. Alors, sac de transport et palette de gazon, ouais.
Sac de transport de matériaux en tas, ouais. 5, 3, 8. Alors, je vais faire ça. Vider. Voilà. Et donc, j'ai. Ah ouais, 3 et 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ok, je vais mettre ça là. Et donc, ouais, c'est comme ça. Ah oui, on va. Ah ouais, on passera par là, je crois. Oh, je sais pas. On va commencer à être à la fin. Je sais pas. Donc, je vais chercher. 10 minutes, ouais, j'ai le temps. Alors, attends, est-ce que je vais. Ouais, j'ai plus besoin de la grue. Alors. Je vais mettre celle-là. Ouais, ça je ramènerai au garage au fur et à mesure, hein. C'est pas grave. Alors, je vais chercher 5 et 3. Oui, je vais chercher du gazon et du. Et ça, le transport de pâte, ils vont y aller dessus. J'ai acheté donc un plateau, un semis, parce qu'il faut 8 trucs alors. On va faire comme ça. Alors, on va aller là-bas. Ici, on va faire ça. Et donc voilà. Hop. C'est parti. Allez, go. Je vais faire l'aller-retour. J'ai le temps, 11 minutes. J'ai plus que ça à faire après, je crois. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est où ça? Ici. Voilà. Remplissage, c'est fait. Livraison de matériaux, donc il faut que je livre. Et après, voilà, c'est fini. Ouais, donc voilà. Bon, on va pas. Le temps d'aller là-bas. La mission va être finie. Alors, quelle heure là? 19h27, ouais. On vit la voiture. Alors, je vais passer comme ça, hein, on va s'embêter. Pourquoi tu veux passer par là? Pourquoi tu me. Où est-ce que je me bataille? J'y vais. C'est comme ça. Tout droit. Pourquoi il veut tourner là? Il est con, quoi. Pas là. Et ici. Ouais, mais. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Je ne vais pas montrer les Kenworth. Non. Je fais un petit peu de. Le Ken. Le Kenworth. Il est comme ça. Je ne sais pas si je voulais montrer. On va faire un petit peu de conduite. Oh, on voit rien. Ah, vache. Tenez. Oh là là. Mince. Tu sais quoi? Elle va passer par là alors. Pour la peine.
Parce que. On voit rien alors, de toute façon. Rien, c'est. Oula! Comme ça. Il fait un drôle de bruit ce camion quand même. Je trouve, ouais. Alors, il me fait passer par la station de service. C'est pas grave, je vais faire du jus un matin. Hein? Ah, si. Ah oui, quoi, c'est la nuit. Ouais, je vais arriver jusqu'au. Ouais, pas grand chose. Alors. Ouais, je sais pas ce qu'il y a, ça fait rien. Puisqu'on arrive. Alors, oh ben c'est bon, hein. Allez go. Alors oui, il commence à faire nuit, je vais d'abord aller chercher la palette, et après je vous montrerai ça après. Alors, 5 et 3, ouais, de toute façon il n'y a que ça, de toute façon, hein. Alors, 3 c'est ici, 1, 2, 3, et 5 de gazon qui se trouve là, 1, 2, 3, 4 et 5, et voilà. Il n'y a plus rien. Alors, ensuite, caisse. Chargement automatique. Acheter. Et voilà. Ok. Donc, ouais, en fait, j'en ai eu la chance quand même. Hein. Ah ouais. Quand même. J'aurais pu prendre le petit fil. Hein. Ouais, bon, ça fait rien, c'est pas grave. Alors, on va. Alors, non, on va pas faire comme ça. On va d'abord. Comment je sors? Comme ça. On va faire ça. Alors, il faut se mettre comme ça pour faire la pause café. On fait carré. La pause café est ici. On appuie. Et ici, alors, on peut choisir prendre une heure de plus. Comme il est 22h10, il sera 23h10. On peut faire la nuit, ici le soir, là le midi, et là le matin. Donc je vais prendre le matin. Le matin, il est 6h, ouais, bon, 6h20. Mais ouais, mais c'est bon. Voilà, donc on peut faire comme ça, et moi c'est pratique quand même. Allez, go, c'est parti. Alors, on va là. Ouais, alors là, je comprends pas pourquoi il me fait passer là, alors que je peux aller tout droit. Hein. On va faire. On va chercher à comprendre. Allez, c'est parti. Ouais, j'aurais pu prendre le petit camion, mais c'est pas grave. Ouais, il me fait passer aussi à la station de service, mais je m'en fous.
Par contre, ouais, faut que je tourne, je me suis trompé. Ah, ici, je suis tourné là. Ouais, non, je m'arrête pas. Hein. Et là, je vais tout droit. Il me fait pour tourner à gauche alors que je peux aller tout droit. C'est quand même idiot. Ici, je vais aller. Ah ouais. C'est un GPS qui vous fait rallonger. Elle est arrivée. Alors, il faut que je mette des trucs là-bas. Alors, il faut que je prenne quand même. Mais c'est pas grave, hein, je vais prendre le. Alors, je vais faire comme ça, hein, c'est pas grave. Hop. C'est vrai que j'aurais pu prendre l'autre, mais ça fait rien. Non, c'est pas grave. Bon. Allez. Je crois qu'après c'est fini, je crois. Voilà. Alors, on va se prendre ça. Décharger, je crois que c'est bon quoi. Oh, ouais, à 23 minutes, ouais, le temps de décharger, de parler à la fifille, et après de regarder ce qu'il y a, regarder un petit peu le parking comme il est, regarder ce qu'il y a, oh, ouais. Alors, je vais me mettre dans ce sens, pas par là, mais comme ça. Donc, je vais mettre là, tiens. Ouais, je sais pas si je suis bon là. Ouais, t'es sûr. Je suis pas bien mis. Là, ça va trop bon. Yes. Allez. Ah putain, c'est pas vrai. Je suis à fond. Ah, c'est pas possible. Eh si. Ah, je suis à fond. Ah là. Je suis pas bien mis. Ça fait rien, ouais, c'est pas grave. Je vais me reprendre après, oui. Je vais faire cela. Et je vais me reprendre pour les deux autres, c'est pas grave. C'est pas grave. Ou même les deux, bah, je sais pas pouvoir.
Est-ce que je peux aller jusqu'au dernier? C'est pas sûr. Ouais, parce que là je pouvais pas aller. Hein. Non, ça fait juste de toute façon. Et celui-là? Bon, même pas. Je peux pas non plus. Bon, c'est pas grave. Je vais faire celui-là, je vais bouger. C'est pas grave. Je vais me rebouger. On va par là quand même. Où je vais là? Alors, merde, mais non, c'est pas ça que je vais faire. Allez, go. Je vais me rebouger, ouais. J'ai été bête et je me suis mis trop loin. Ah, pas trop bon. Ouais, je me suis mis trop loin tout à l'heure. Là, bon, c'est pas grave. Hein. Raté. Et le dernier. Et après on est bon. C'est quoi ça? Ah! Mais non! Un mode photo, d'accord, ouais, on s'en fout. Allez. Allez, le dernier, je crois qu'on est bon. Allez, go, ouais, une demi-heure quand même. Allez, go! Ouais. Allez, go! Dégagez, ouais, je dégage. Justement, je dégage. Ça. Ça. Je vais te mettre là. Ouf. Et après le camion, oh, je vais te mettre là. Ensuite, ici, là, on va faire ça. Hop, voilà. Dégager la zone. Comment engager la zone? Dégager la zone de construction. Ah bon. D'accord. Parler avec l'entrepreneuse. Wesh. Alors. Ah oui, d'accord, mais je suis pas là. Elle est où là, demoiselle? Là-bas au fond. Donc voilà. Et ici, ah oui, d'accord. Ah ben voilà. Donc voilà. En gros, c'est ça. Ça donne ça. Ici, donc voilà. Ici, il y a une sorte de pavé. Ici. Ça mène là. Alors, on peut pas y aller par contre. Hein. Mais. Donc voilà. Ok, là, oh, c'est pas fini tout à fait, il reste qu'à finir, mais je vois, et en haut, je vous en profite pour montrer, en haut, donc c'est du gazon, ici, donc ça va se, voilà, c'est un peu plus écologique, quoi, on peut dire, ouais. Donc voilà, alors, par contre c'est pas fini, il faut que j'enlève ça, elle est où là-bas,
Je peux sortir là? Non, je vais faire comme ça. Vite. Elle est là. Et donc voilà, et on est parti, on va parler, et puis c'est bon. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Parler à l'entrepreneur, c'est parti. Alors, le maire a défendu depuis longtemps l'idée de faire de nouveaux espaces verts à l'intérieur de la ville. Et beaucoup d'habitants sont déjà embêtés par la situation du trafic local. Le parc apporte un certain soulagement et dans le même temps, la création de plus d'espace pour les voitures avec les parkings souterrains. Alors, j'appelle ça une situation gagnant-gagnant. Maintenant que le quartier peut respirer à nouveau, j'espère que les habitants verront que gigantique solution est synonyme de résultats concrets. Et que les investissements privés ne sont pas toujours une mauvaise chose et peuvent souvent résoudre les problèmes lorsque les fonds publics se mobilisent ne suffisent pas pour rapidement mettre en place des chantiers de construction urgents. Là, c'est dur, hein? Allez, c'est bon. Alors voyons, qu'est-ce que ça donne, hein? Ah voilà, chantier terminé. Et voilà, ouais. Ça fait écolo, quoi. Ok, Carc Park. Donc on va voir ce que ça donne. Alors voilà, donc effectivement, voilà, là il y a des fleurs autour, d'un côté aussi. Alors ici, ici on rentre avec la molécule. Alors est-ce qu'on peut en rentrer? Non, parce que c'est fermé. Et de toute façon, je serais bien rentré. Alors, du véhicule, j'aurais pu voir comment c'est foutu, même papa. Rentrer moi avec mon camion, il va pas rentrer dans mon camion de toute façon. En plus, j'ai pas envie, c'est pas grave. Donc voilà, puis alors l'intérieur, oui, voilà, c'est comme ça quoi. Hein. Mais est-ce qu'il y a un étage alors en fait? Il y a qu'un sous-terrain, il n'y a pas un étage, il y a que ici en bas alors. C'est un petit souterrain quand même, hein. C'est un petit parking, je veux dire. Ici, donc voilà, oui. Là, il y a de l'herbe. Ici, il y a des bains. Ok. Là, c'est quoi? Des tickets. Des tickets de quoi? Ah, des tickets pour entrer dans le... Pour entrer dans le truc, là-bas. Ah, ok. Ah, d'accord. Donc ici, c'est... Bon, on peut pas rentrer. Ah, ouais, je pense. Ok. Pourquoi pas? Donc voilà, des bains. Et voilà, donc ça donne ça. En fait, je croyais que c'était sur deux étages. C'est que sur un étage les véhicules? Non. Je sais pas. Bon. Ouais. Alors je vais essayer de passer là, donc voilà. En fait, oui. Ah ouais, c'est une aération ça, je sais pas. Et donc voilà, donc ça donne ça. Donc voilà, c'est un parking couvert, recouvert de gazon. Donc voilà, ça fait écolo quoi. Il y a plus de verdure à l'intérieur de la ville comme ça. Voilà. Bon. Et ça fait un parking souterrain. Voilà. Bon. Pourquoi pas. Et donc voilà. Et donc voilà. Hein. Et alors, voilà. C'est fini. Comme je vous avais dit, le parking. On va maintenant. Je vois ce qu'on va faire. On va faire ça. Non, ça, on s'en fout. On va faire ça, chantier. Campagne. Alors, technologie novatrice. Ici. Alors, après c'est installation agricole. Empilée en hauteur. Alors, la vieille usine doit être démolie, mais il serait plus bénéfique de la reconvertir plutôt que de la détruire. Mais avant que la reconstruction puisse commencer, cependant, on doit débarrasser le site de ses ordures. Ah, oui, une vieille ordure. Alors, il faut faire quoi, là? La reconvertir. Une installation agricole, ouais, je sais pas. Chantier bas de 591, oui, je vais faire en bas, moi, je vais pas m'embêter. Combien il faut faire? Alors, pour faire le truc, ben, il faut appuyer sur les touches, la croix, hein, directionnelle, touche de la croix directionnelle. Et, niveau de chantier bas, je crois que c'est en bas, il faut appuyer, non, en haut, oui. Moyen, 350 000, et haut, élevé, 400. Mais je vais pas faire à 400. Parce que je crois que rencontre donc toujours pareil c'est avec elle. Préparation de la construction. Tractopelle, truc, ouais, je sais pas, on va voir ce qu'il faut. Évacuation des déchets avec la grue, d'accord. Fondation. Livraison de matériaux. Déballage. Dalle de fondation. Ouais, c'est un peu le même jeu, oui quand même. Ah non ! Transport. Ouais. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Oui, alors ici c'est marqué planning.
Ça vous indique d'ailleurs, hein, pour la plupart des travaux, vous pouvez définir si l'ampleur du travail doit être faible, moyenne ou élevée dans ce menu sur le côté gauche avant d'accepter un contrat. Cela détermine l'ampleur des étapes de travail individuelles sur le site de construction. Cela peut signifier par exemple plus d'éléments de construction à placer ou de plus grandes surfaces qui doivent être travaillées afin de terminer une tâche. En définissant l'ampleur du travail, la durée et le bénéfice estimé que vous recevrez à la fin changeront généralement également. Astuce, en multijoueur, il est avantageux de réaliser des tâches de plus grande ampleur. Il y a souvent plus d'un engin de construction approprié pour accomplir une tâche. Passer en revue toutes les classes d'engins recommandées pour la tâche sélectionnée en chantier aide de l'entrée affichée sur le côté droit de ce menu. Si jamais vous ne savez pas exactement quel engin de construction travailler, vous pouvez le chercher ici dans l'aide. Ouais, bon. Ouais. Alors, c'est ce que j'avais dit. Mais je ne vais pas faire élevé, hein. Je vais faire 20. Ah, on fait plus de forage quoi en bas? Ah non. Ah, on fait plus de forage. Ah d'accord. Ah, forage, ouais d'accord. Ah ouais, tant mieux. Ouais, parce que forage c'est chiant. Alors en bas. Non, élevé. Et donc bas, on fait plus de forage apparemment. Ah non, ah non, non. Apparemment. Bon, il y a quand même du boulot quand même. Hein. Il y en a 9 quand même, hein. Ouais, c'est trop long, hein. Bon, alors après, je vais commencer. Je sais pas si je vais vous le montrer parce que j'ai l'impression c'est un peu la même chose. Vacuum des déchets, déballage, dalle de fondation, je sais pas, hein, structure porteuse, piliers, composants spéciaux, cage d'ascenseur, plafond en béton, poutre, plafond en béton, cage d'ascenseur. Il besoin de matériaux, puis soutenement, placement composant, charpente. Ouais. Alors, mince. Ah, on peut pas le refaire, le. C'est une installation agricole. Ouais, bon. Ah non, on ne peut pas le refaire. Ah, il faut attendre. On ne peut pas le refaire, t'as un jus de pointe. Il faut attendre d'avoir tout fini, je pense. Ou alors, je sais pas si je vais vous le montrer un peu la hauteur. Ça n'a pas l'air si intéressant que ça. Les collines, c'est tout. Ouais, je sais pas. Une ferme solaire, peut-être, ça peut être intéressant. Bon, bien sûr, le centre de recherche, un observatoire, ça peut être intéressant, ça, par contre. Problème en attente, une usine hydroélectrique. Ouais, je sais pas. Bon, je verrai, de toute façon. Je fais celui-là, comme ça je finirai comment ça s'appelle, une campagne. On peut changer, on peut faire après si on veut, on peut faire celui-là si on veut, etc. On n'est pas obligé de faire la même truc, mais moi ce que je fais la première, j'en fais une, je commence celle-là et je vais la finir en entier parce que comme ça j'aurai fini après. Niveau d'amélioration, j'aurai fini la campagne. Ouais. Et comme il me reste ravitaillement réparé, 64 à 52. Bon, ok. Profil, compétences. Alors, j'en ai une. Alors, en bas, non, en bas, pour l'instant, je fais pas l'économie parce qu'il faut que justement que je. Non, bon sens des affaires, non plus. La forme physique, on s'en fout. Je vais faire ça. Allez, go. Ok, bon, c'est bon. Allez. Alors, je vois si je vous le montrerai finalement. Ouais, en fait, je sais pas, ça m'a pas l'air. Ça m'a pas l'air si intéressant que ça, j'ai l'impression, je sais pas. Ou je montrerai l'affaire, je sais pas, on verra. Donc voilà, bon, écoutez, on va se retrouver dans 3 jours. Donc je vous dis donc bye bye, à dans 3 jours.